Ah bonjour, bonjour et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming. Hein. Des petits problèmes décidément avec les enregistrements hein, régulièrement. Attendez, je réinitialise mon chrono, tout ça, tout ça. Donc c'est parti, petite vidéo nettoyage de cartes. Hein, on continue comme d'habitude. Hein. Vous dirais-je bien gaming, mais j'aurais peur de vous saouler. Non, vous êtes tellement habitué. Je me demande si vous n'êtes pas devenu complètement imperméable à ça. J'aurais pu prendre Ablette. Encore une fois. Peut-être pu faire ça correctement. Mais en même temps, je sais pas si c'est bon. Est-ce qu'on va loin? On va où? On va où? On va qu'on y est déjà. On y est. On y arrive, quoi. Par contre, si on peut rebasculer en ignition, je suis très fan de l'ignition. Voilà. On a l'air d'arriver sur site. Alors je vois des méchants, des pas beaux là-bas. On sauvegarde et on y go. C'est un trésor caché. Vous avez caché le trésor? Niveau 4. Hein. Je rappelle qu'une forêt plus loin, il y a des niveaux 25. Hein. La cohésion de ce jeu est impressionnante. Ah, des notes de contrebandier. Alors, c'était le bon temps, on pouvait faire passer une en contrebande quelques bouteilles de Niol à Oxenfurt et traîner près des dortoirs pour les vendre aux étudiants. On repartait avec un sac de pièces bien rempli et eux étaient revigorés pour étudier. Et puis Radovid est arrivé et il a fait fermer l'université, chasser les étudiants et installer des balistes sur la berge pour détruire tout ce qui flotte sur le pontard, y compris les cygnes. Ceci dit, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Hier, j'ai vu nos braves soldats couler un navire marchand. Il est allé droit par le fond, avec tout son équipage et sa cargaison. C'est dommage pour les hommes, mais ce serait aussi dommage que toutes ces marchandises soient perdues. Je vais donc les repêcher avec Martin, les sécher, puis les vendre. Alors j'aurai peut-être enfin de quoi remplir ma marmite. Petit voleur. Ah oui, nous on suit. Ah nous on suit toujours. On suit toujours l'argent. Je vois pas pourquoi le jeu me demande l'argent, tout ça. Faut-il le suivre? Faut-il suivre l'argent? Évidemment, on suit l'argent. Oh non! Ah non, faut plonger. Oh, on va se faire tabasser. Non, mais là. En fait, c'est chiant. Bon, allez. Faut y arriver, hein. Faut y arriver, hein. Oh là, la myriade de connards qui traînent là. Voyeurs tous niveau 10 en plus. Pas moyen de monter sur ce bateau vite fait, faire une pause. Non, pas tellement. Le jeu pas trop conçu. Ouais, voilà. Faut que je fasse un truc comme ça parce que je sens que j'ai un aggro là fou. Est-ce que tu peux monter là-dessus? Ouais. Bien vu l'aveugle. Ok, bon. Navire marchand éclaté, certes. Mais on n'est même pas considéré comme étant encore dans la zone. Hein. Et il y a déjà la max de mecs. On peut peut-être essayer de gratouiller un truc par là. Mais plonge! Plonge! What? Pourquoi il voulait pas plonger? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je suis cul nu? Ça c'est juste de l'eau. Ouais, c'est simplement de me noyer, c'est très 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 agréable. Hein. Refaire surface. Allez, fais surface, crétin. Allez, fais surface, crétin. Allez, ah, des dégâts de collision contre les coques de bateau, je comprendrai jamais. Jamais qui s'est dit, c'est une excellente idée d'avoir des persos qui s'accrochent. Hein, je suis sur la coque là? Ah, je suis sur la coque. C'est intéressant ça. Ah donc il va falloir que je cherche là-dedans. Il est là mon coffre. C'est un coffre ça. Ok. Coffre par là. Il y a des coffres dans tous les sens. Car l'or puis moi la lumière extérieure etc je vois à moitié que dalle hein. Bon sang. Et encore quand je dis à moitié que dalle je suis grand prince.
trouvé ton trésor, mais... Il est en boucle, hein. Je sais même pas si on peut rentrer dedans. Je vois rien, en fait. Mon problème, c'est que je vois rien. Je ne vois vraiment rien. Hop, on est par là. Je sais pas s'il y a une coque de navire éventrée ou quoi qu'est-ce. Faut que je tue un peu le temps, là. Faut qu'on arrive à méditer un peu, genre jusque là. Ah, je peux pas faire ça. Ah, parce que je suis considéré comme étant en combat, là. C'est bon, là, je suis considéré comme étant en combat. Je peux pas faire ça maintenant. D'accord, je te merde. Faut qu'il fasse un vrai temps. On va aller se poser là. Bah c'est toujours sympa, c'est trouvé. Hop. Méditation. Il dit pas qu'on peut pas là. Comment ça je peux pas faire ça maintenant? Oh il me fatigue. Et là, là on peut. Merci. Est-ce que la pluie est passée? Non. Et bah hop. Tour de cadran. À tour de cadran direct, hein. Non, bon, il faut qu'il fasse beau là. Désolé, mais là, faut plonger, faut qu'il fasse beau. Je tourne ça deux jours. Je fais tout le temps dans ce pays de con. Jusque là, peut-être qu'il arrête de pleuvoir ici. C'est pas tug, mais ça peut le faire. J'espère que ça peut le faire. Donc, ok, on y voit à peu près. Il faut que j'observe éventuellement s'il y a une coque éventrée ou un truc comme ça. Ouais, ouais, ouais. Ah, fous-moi la paix. Mais poussez-vous. Et pas que vous faites chier, bien sûr. Ils m'ont tabassé aux dégâts, ils m'ont eu aux dégâts, ils m'ont eu comment là? Ah parce que c'est fatigant. Puis on peut pas se battre contre sous l'eau, donc c'est un peu fatigant. Alors vous me direz, oui mais bon, se battre contre des noyers c'est pas pratique, oui mais enfin bon, si t'avais une dague, essaye d'attraper ce que tu peux attraper, puis au moins tu butes. D'accord, donc on a le choix entre ne rien voir et ne rien voir, super jeu. Donc on a repéré un truc vers ce bateau là. Mais j'ai toute la masse qui se déplace avec moi, c'est infernal. Ah mais il y a un spectre aussi et tout. Ouais ça va les emmerdes, tranquille. Trésor gardé. Fatigué là. Ah, je suis frappé de narcolepsie là. Bon, méditation. Hein. Oh, c'est ça. Merde. Tente par là-bas. Ah, du coup, j'avais pas pris ce coffre. Okay, on prend ce coffre. On se met là. Oh, il y a un crabe. On peut récupérer de la chair de crabe. Bon, non. En fait, non. J'aurais essayé, hein. Oh, l'enfer de cette première vidéo. Allez hop, tour de cadran. Tour de cadran. Hop, sauvegarde. Bon,
Moi je me propose d'aller tabasser un spectre, déjà ça me détendra. Moi les noyeurs que je peux pas sortir de l'eau, ça me fatigue. Il y a un truc au loin là qui est... Bon. Spectre de midi. Ah, au fait, c'est un Yarden pour ça. Ouais, c'est Yarden. J'arrive pas à t'avoir. Ah, parce qu'il faut que je te tabasse à midi 00 et qu'il est pas midi 00. Ça m'énerve. Oui, il est pas midi, il faut que je la tabasse à midi. Je crois. Je sais même plus. C'était égal loin. Hein. C'était un certain temps le premier spectre de midi. Hein. Ouais, après j'ai des huiles contre les spectres, tout ça. Je pourrais sortir tout le bazar. Évidemment, qu'est-ce que je vais faire? Bah, je vais rien faire. Je vais insister comme un sourd. J'adore. J'adore, vraiment. Ok. Hop. Un Yarden. Alors, si. Ah oui, mais du coup, on peut plus méditer. Ouais, bah voilà. Hop, on va jusqu'ici. Facile, je suis juste presque mort. Bon bah voilà. Une huile contre les monstres. Hein. Juste un noyeur. Juste une plantouille. Ok. Ça y a quelque chose ici. Y'a rien là-dedans. Ok. Moi, il faut que je retourne dans ma zone de plongée, mais c'est compliqué quoi. Est-ce qu'on peut méditer? Le jeu nous l'autorise. Oh, il pleut déjà, mais ça race de tes morts. Je peux pas. Ah, ça me fatigue. Hein. Ça me fatigue. Hein. Ah, ça, quelle fatigue. Hein. Oh, demain direct. Hein. Chut. Allez, 48 heures sur la berge à attendre comme ça. Qu'il fasse à peu près un soleil correct. Il pleut encore. Je vois, il pleut tout le temps. J'ai l'impression de jouer Oblivion. Ou à Morrowind. J'avais toujours de la pluie. Non mais sérieux. Bon, d'accord. Donc j'ai pas le choix, faut que je fasse avec ce temps de merde. Ok.
Je crois que je viens pour ce cadavre là, non? Qui veut pas m'indiquer, non? Si, non? Non, c'est juste un cadavre. Ah, ils font des dégâts les petits cons, hein. Ils font des dégâts, les noyeurs. Et je vois pas où c'est le truc là. J'ai beau faire toute la zone. Voilà. Super. Je fais toute la zone, je vois pas où c'est. L'essence de sorceleur me le montre pas. Donc en fait, je suis dégoûté, je vois pas. Évidemment, vu que je suis un gros con, je vais insister. Oh, tu me passes ça. Hein. Hop là. On peut voir quelque chose, toujours pas. Allez hop, on insiste. Ok. Alors, on sauvegarde ici. Il fait beau, on sauvegarde là. Ok. Donc. Quelque chose. J'ai entreaperçu un truc. Oh, il y a un truc là. C'est vu. Allez, faut nager plus vite qu'un noyeur. Hein. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et ben voilà. On a eu la cale du navire. Bon, je sais pas s'il y a vraiment autre chose, hein, mais est-ce qu'on a vraiment envie d'aller chercher autre chose là? Est-ce qu'on n'a pas envie de, juste envie de se tirer, de récupérer de l'air? Ah mais c'était même pas ça qu'on cherche. Ah, super, c'était même pas ça que je cherchais. Donc on retourne ici, hop. C'était pas ça qu'on cherchait. Qu'est-ce que je cherche là-dedans? Super. N'hésite surtout pas à essayer de refaire surface. Voilà, je vais prendre des tatanes en groupe, les deux me font retomber, c'est excellent. C'est excellent, on se régale, hein, on se régale. L'idée de m'envoyer là où il y a des noyères. Trouver le trésor englouti à l'aide de vos sens de sorceleur. Bah ouais, super, bah, je veux bien, mais il faudrait que ça marche en vendant tes sens de merde. En vendant tes sens d'abruti, il faut qu'ils marchent quoi. Moi j'ai rien contre, il faut que ça marche. Ah c'est bon, trouvé. Putain, enfin quoi. On va lui en faire quelques-unes des noyades, hein. Normalement il devrait me lâcher tout seul, ça c'est fait. Bon, il nous a remis sur la quête de Skelly Joker, ça c'est une chose. Bon. Est-ce qu'il y avait quelque chose d'intéressant dans ce coffre? Inventaire. Il y avait un couteau. Il y avait Mogrim dedans. Bah il y avait Mogrim dedans. Intéressant. Il y avait Mogrim. Bah, cette bonne vieille Mogrim. D'ailleurs je peux regarder ce qu'elle valait. Qu'est-ce qu'il vaut? Qu'est-ce que tu vaux, Mogrim? Tu es une merde. Tu es une merde. Tu veux me dire juste que tu es une merde. Alors ouais, on peut mettre des tas de runes dessus. Ouais, ça va quoi. C'est de la merde. C'est ce que j'ai en épée.
D'ailleurs, c'est ce que j'ai en épée, quoi. C'est mon épée en acier, ouais, c'est. Ouais, j'en ai une avec des tonnes de runes et résultat, on fait pas de dégâts aux gens, quoi. Super, on est trop content avec ça. Petit paquet. En vrai, ça peut être intéressant de se longer les côtes, voir s'il n'y a pas un vrai loot. Mais il y a un petit campement ici en fait. Oh. Quand je disais que c'était intéressant. Plaît-il ? Ah, ça va, j'avais besoin d'une bière. Des pirates ! Mais moi je suis. Mais. Non mais. Non mais là je mérite de mourir. Voilà, merci. Voilà. L'ignition. Il fait quoi l'autre ? Mais... Oh ! Bon, t'es trop con, j'aimerais mieux que tu meurs, je pense. Ramenez-vous ! Hop là! Brochette! Hop là! Oh, et doucement, hein! Que des pirates, hein! Il y a les molos quand même, hein! Attends, heureusement qu'ils font pas de dégâts. Oh, bon, ça, mon niveau a un peu chuté, je crois. Hein. Je crois que j'ai payé un peu ma race là, non? Vague impression comme ça. Tout ça parce qu'on voulait pas que je picole une bière, quoi. C'est vraiment. Vraiment, les gens sont pas sympas. Hein. Du coup, leur campement est ici. Hop, 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 hop. Ok. Mais il y en a encore. C'est un sacré nombre, le petit gars. Côte des épaves. D'accord. Bon, un endroit charmant. Hein. Avec le radeau de la méduse. Ok. C'est ça l'objectif. C'est la note des pirates. Bosser un peu là. Allez, on lit. Hier, nous avons trouvé un bol en argent et une proche sertie de rubis au fond de l'eau. Cela signifie que les trésors de la reine Zuleika se trouvent réellement dans les environs, peut-être dans la cale d'une des épaves au large de la côte ouest. Mais nous ne pouvons pas les explorer pour le moment. Les vagues sont trop hautes. Il va falloir attendre que la mer se calme. Nous établissons le camp. Ben, on suit la quête, hein. Non, parce que moi, des quêtes à loot là. Bah. J'ai loot, c'est le coffre que j'avais loot. Non, non, désolé, hein. Bah, on a fait les deux, hein. C'est le coffre que j'avais loot dans l'autre épave qui était aussi indiqué en rouge. Bon, bah, voilà, hein. Quête reçue, quête terminée. Hein. De toute façon, il n'y avait rien de fou dessus. Ah, lettre non envoyée. Lire cette lettre. Chef, nous avons cherché encore et encore le trésor de la reine Zuleika. Mais qu'avons-nous trouvé? Que dalle! Cependant, nous apprécions beaucoup les huîtres que nous pêchons au fond. Vous êtes sûr que cette carte est vraie, chef? Et pas une contrefaçon? Parce qu'on dirait bien que ce marin s'est foutu de nous. Enfin, nous continuerons à chercher jusqu'à ce que quelque chose nous dévore. Ou jusqu'à que nous donnions de... jusqu'à que vous nous donniez de nouveaux ordres. Okay. Très bien. Je suis enchanté de rencontrer votre chef un jour, peut-être. Bon, alors nous on a dit la plage, tabasser des gens, chercher du loot là sur la plage. Je
Je me demande s'ils ont vraiment mis beaucoup de loot en mer. Hein. De ce que j'en ai vu, ils ont pas l'air d'avoir d'avoir insisté là-dessus. Ils ont l'air de s'être dit quand même que ça allait être chiant et que les gens ça allait pas trop les motiver non plus. Hop, ok. Un sacré cimetière de bateaux en tout cas. Si, il y a un coffre là-bas. Il y a un coffre là-bas. Oui, il y a un poisson, il est pas d'accord. Oui, il fait des trucs de ouf le poisson. Et ben voilà, on s'est régalé. Mais saute. Oh là là. Cette concentration de nerfprin qui m'a dit mec, il y a un coffre. Bug un peu je crois. Une jacque de Kedwen. Ok, qui est une relique visiblement. Et la formule de machin. De Kebrith. Kebrith. Enfin du mec quoi. Ah, ça va être problématique ça. Ça c'est très embêtant si le jeu déconne comme ça là. Ça, ah, ça veut dire que je vais mourir en prenant un coffre ça. Bah c'est bien dommage. Bah je trouvais que c'était un bon jeu pourtant. Ah c'est bon. C'est bon, calme-toi. C'est un rebord. Ok. Bah je sais pas si on a tous les coffres, mais on en a déjà pas mal. Je pense. Ok. Une petite sauvegarde. Alors je pense qu'on a quelques petites choses à voir. Ah bah si on voit, enfin en fait on fait naturellement la descente de la côte. Ok ça roule, ça se fait. Ouais tant que je suis à côté de cette bande de terre, ce serait pas mal d'aller jeter un oeil. Hein. Je vois une caisse déjà. Ouais. Je vois plusieurs caisses, ouais il y a des trucs. Bon je vais aller voir. Allons voir cette langue de terre avant de rejoindre le continent. Le temps est propice au voyage. Ah. Mais vous m'avez mis du loot là? Qu'est-ce que c'est que ce foutage de tête? Mais qu'est-ce que c'est que ce... Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Les mecs m'ont mis du loot jusque là et je peux même pas y accéder. Mais c'est une blague. Attendez, c'est quoi cette blague là? C'est juste que vous avez mal dessiné la boîte. C'est trop vieux pour ces longs voyages. Ah ouais, mais il y a de l'eau là. Ouais, je comprends bien que t'es trop vieux pour ces longs voyages, mais fallait pas mettre du loot. Ouais, s'il y avait pas eu de loot, je serais pas venu. Regardez, ça c'est du loot. Alors voilà, ça c'est piégeux. Ah non mais là c'est une faute grave les mecs. Faut pas faire ce genre de truc. Faut pas aller me mettre un coffre suivi de quelques boîtes de loot qu'on peut repérer avec des sens de sorceleur, avec des monstres un peu partout, qui dit hé hey, mec, en vrai, là, y'a un truc. Et quand t'arrives on te fait bah non en fait casse-toi, c'est la fin du jeu. Ah non, y'a une baleine échouée, éventrée, trésor gardé. Ah, on aime pas les baleines mortes. Sécher. Ah, pauvre ami. Sauvegarde parce que je suis vraiment pas frais.
Niveau 4, ça devrait bien se passer. C'est très bien passé. Aucun d'entre eux n'a du loot ? Bah alors. Pas ce scandale. Poisson séché, ok. Chat amélioré, sacoche de course améliorée, ok. Si on prend tout, hein. Comme ça. Nous on est d'accord. Hein. Nous plus de loot, on est toujours d'accord. Hein. Alors. Ensuite. Ensuite il y a encore un truc dans l'eau où on peut aller chercher ça. Alors, en l'eau je commence à en avoir ras le bol, mais bon, va falloir y aller. Hein. Va falloir y retourner. Hein. Je suis pas saoulé, hein. Je suis pas saoulé. J'ai presque plus de vie. J'ai pas envie de faire passer le temps parce que sinon il va pleuvoir. J'ai pas envie. J'ai encore moins envie. En fait, faut que je choisisse ce qui me fait le plus. Enfin, le plus ou moins mal envie. Enfin, bref, vous avez compris ce que je voulais dire. Oh, allez. On va faire cette micro-pause. Il pleut pas. Parfait. Sauvegarde, je sais plus ce que je fais. Hop, hop. Allez, c'est parti. C'est bon. Retourne à la surface avant les largues. Parce qu'on va plus vite que. Parce que bon, gentiment aberrant. Je veux dire, ce qui est marrant, c'est qu'ils, dans l'eau, ils se battent avec moins d'acharnement que sur terre. Alors que dans l'eau, bah là en fait, s'ils voudraient instantanément me focus pour me couler ou me tuer même, il n'y aurait aucun problème. Je trouve ça vraiment dommage qu'on ait. On est vraiment dans ce jeu, si je devais continuer dans les reproches, hein. Je vais être très dur. On va continuer sur les reproches. C'est, pour moi, c'est un des reproches que j'ai à faire. C'est vraiment quand t'es dans l'eau, on te met des noyeurs, t'es victime. Et ils t'aggro de loin et ils te poursuivent pendant longtemps, tu vois, c'est vraiment. Oh, un Renegade! Renegade! Oh yes! Oh, mes préférés! Des bandits faciles à faire! Hey, oh! Là. Oh, tu te fais genre la côte. Venez avec moi un peu, venez voir un peu. Moi aussi je peux tirer, hein. Voilà. Alors tu vas faire quoi? Ouais. Baisse les yeux. Ouais. Tu vas faire quoi? Ben voilà. T'es juste mort. Ah, des braves gens. Non mais les gens pourraient arrêter de chier. Tout de suite. Je viens de vous rendre votre maison. Vous pouvez pas faire semblant d'être content 10 secondes là. Et de vomir vos tripes partout là. Oh non, mais ils sont dégueulasses. Ces salauds de pauvres, ils sont jamais contents. Hein. T'as perdu quoi, toute ta famille? Oh, ça va. Du moment que le bol est plein, j'y peux rien si la police est soudée. Miséricordieuse Verda. Et quoi, Verda peut rien pour vous? C'est moi qui vous ai sauvé le cul. Mais ils sont débilus, hein. Non, mais ils sont cons. Ils sont cons, ils sont plus cons que des jambons. La chasse sauvage leur est tombée dessus parce qu'ils restent formidables. Arrête de me casser. Peu purifié, mes frères et sœurs, rejoignez le au sceau du démon. Hein. Oh. Miséricordieuse.
n'avait rien à manger, alors je l'ai abandonné. On gagne pas à tous les coups, même si rien n'empêche d'essayer. Vous cherchez les ennuis ? Ils vous trouveront tout seuls. Vous êtes sorceleur ? Hein ? Non, c'est pas vrai. Pas de quoi vous voulez parler. Pourquoi je peux plus courir ? Encore sauter, mais je peux pas courir comme si j'étais dans un bâtiment. Ça c'est cocasse. Qu'est-ce qu'il y a ici? Ah, c'est une. Oh, je prends. Mais autant que j'avais pas une guerre. Allez, au revoir. Ah, c'est parce que je suis trop lourd. J'ai trop de merdier sur le dos. Excellent. De toute façon, on va aller voir un planturiste là. Un planturiste plantureux. On va aller se débarrasser de notre bazar. Avec un peu de chance, on va même pouvoir jouer au coin. Oh, est-ce que je peux leur faire une farce? Excusez-moi, faut que je tente la farce. La farce? Elle était bonne ou pas? Les gens ont pas beaucoup d'humour, hein. C'est vraiment... Oh. Ah. Moi je pensais que les gens auraient de l'humour. Désolé. Épuisé et blessé. C'est très rigolo, hein. Tu fais péter un baril, les gens meurent de. Ils ont le temps de se lever tranquille et de mourir d'un coup de lame dans le vide. C'est quand même. C'est quand même. Enfin, si t'es pas prévenu, tu sais pas quoi. Enfin, c'est. Particulier, hein. J'ai pas allumé le baril, c'est bon. Oh, vous seriez mort, c'est tout. Eh, quand t'es mort, t'as plus de problème, hein. Jamais oublié ça, hein. Durée de fer, zorien inférieur et cuivre. Ouais, le feu purifie les démons, tout ça, tout ça. Des conneries, hein. Des conneries. Bon, je pense qu'on peut ramasser ce qu'il y a dans cette carrette, non? Oui. Oui, tout à fait. Le jeu nous dit oui. Prends tout ce qu'il y a dans ma carrette. D'accord. J'arrive, jeu. Je répondrai à ton appel. Je prendrai tout ce qu'il y a dans ta carrette. Ah, je vous saute dessus, hein. Ça dérange pas. Super. Eh hey, madame, y'a pas de feu là. Mais. Vous voulez quoi? Ces racines vont me faire courir les troupes. Mais. Mais madame. Vous voulez quoi? Ces racines vont me faire courir les troupes. Mais madame, ce feu ne veut pas s'allumer, madame. Merci madame. Voilà. Maintenant vous pouvez venir avec votre feu, machin, tout ça, tout ça. Bon, on est perturbé. Viens le bonjour, l'herboriste. Quoi? Bah, qu'est-ce que t'as à vendre? Vous avez des articles inter... Super, hein. T'as 160... Ça... Hein? T'achètes rien en plus. Je déteste. Il y a vraiment un truc qui peut m'intéresser là-dedans, hein. Non, c'est bien ça, hein. On s'en fout, hein. Ouais. On s'en fout, mais on est trop lourd. Donc, donc faut virer des trucs, quoi. Vire-moi des trucs comme ça, là. Mais cette picolinade... voilà, c'est de la picole aussi, ça dégage. J'ai pas besoin de tout ça. Et en artisanat, tu achètes évidemment tout ce qui est alchimique. Quoi, t'as plus de thunes? Oh non, t'as... Oh mec, t'abuses là, on a pas une fleurette là vite fait. Oh là, oh c'est la misère. Au revoir. Moi je vais être trop lourd tout le restant de la vie, super. Grosse vie. Hein. Vraiment gros marchand qui sert à rien. Gros marchand qui sert à rien. Il faut absolument que j'aille en ville vider mes sacoches. Avant de reprendre. Campement de bandits, genre je l'ai pas saigné celui-là. Attendez, excusez-moi là. On part pas tant que j'ai pas signé ce campement de bandits. Ablette, Ablette, ramène-toi. Il est où ce cheval? Ici là. Ah, ah, attends, tu m'excuseras, Ablette, il y a des abeilles juste derrière toi. Hein.
Ah mais calmos, calmos, calmos. Rien de panique pas, ça va, ça va, ça va. Je déflamme. Ça grille un peu le poil, mais ça va. Tu vas me les donner, mais... Quelques trucs, hein. Ah non, même pas. C'est genre, c'est détruit. Super. Gros jeu, hein. Allez. Ah, ça c'est un secteur, ils avaient un peu la flemme, je crois, non? Il y a beaucoup de trucs, c'est un peu... Ça ressemble à une flemmardise, hein. Plus vite. Ah oui, ah oui, 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 oui. Oui, voilà. Allez, trouve-moi ces maudits cons. Mauvaise idée. C'est très étrange ce que vous faites, hein. C'est bizarre un peu, hein. Le jeu a l'air un peu fatigué là, hein. Les trucs nuls. Les trucs nuls. Toujours plus de trucs nuls. Des huiles, des pots de loup, des trucs, des machins. Bon bah c'est pété hein. C'est tout ce qu'il y avait à faire hein. On est bien d'accord que c'est tout ce que j'avais à faire ici. Le prochain point c'est là, ce sera au prochain épisode. Et ce sera les poches pleines parce que la flemme de retourner vider mes poches. Voilà. Voilà voilà. Donc je vous remercie, c'était Clairfonction comme d'habitude Gaming pour The Witcher 3. Et je vous dis à la prochaine, ciao.